Allez, il y a... Combien de temps, hein? Combien de temps? On tourne à droite, là. C'est fini, là. 500 mètres à droite. Après, c'est Mando. À l'arrière, c'est quand tout le monde demande. Parce que sinon, moi, je peux plus travailler. Si non, mais autrement, toi, la voiture, elle monte le long, et puis on peut ravitailler toujours derrière, quoi. Votre voiture, à vous. Ah, mais c'est ce qu'on a fait depuis le début, hein. C'est d'accord. Ce qu'on fait, pour pas que le coureur prenne trop de vent, quoi. Oui, allô? J'ai dit, t'as une discussion? Ouais. Ça va, Tom? Un moyen, mais ça va. Ouais, c'est la débandade un peu derrière. Ouais. Hein. Derrière, c'est la débandade. Ah, je pense. On a perdu deux mecs. Deux mecs, nous? Ouais. Donc, l'étape, quoi. Hein? Pour l'étape, c'est bien parti. Pour toi, quoi. Comment? On l'espère, quoi. Ouais, ouais. Yeah, a lot of wind, okay. Yes, in 10 kilometers, okay. Bordure, okay. before. I tell Max. Yes. Ça va, Tom? Tu vas boire? Tu as pris le spectacle, ça va mieux? Ça va mieux? Tu peux passer aussi des tubes. Ouais. Tu as donné un bidon déjà. Un bidon. Allez, c'est bien, Tom, t'as fait le plus dur là, hein, putain. Après, fais gaffe après le levier, il y a du vent, hein, tu sais, un peu de vent de côté, quoi. T'as des tubes? Ouais. Des tubes. Des tubes. YouTube. Et encore un bidon. Bah, ça aussi. Attends. Oh, c'est fait, hein. C'est à 3. Allez, c'est bien, Tom. Juste. Ils sont là, là. Wow. C'est toujours mal speed. Wow. Avec nous Alain Gounin, donc directeur sportif pour l'Amicale Cycliste Byzantine. Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan sur ces 5 jours pour le club byzantin? Bah, nous, c'est un bilan quand même très positif. On a passé quand même une étape, on a gagné une étape. On a passé 3 jours avec le maillot jaune. Donc pour nous, c'est un bilan quand même plus que positif. Bon, gagner le tour, c'était peut-être un peu prétentieux, mais bon, faire ce qu'on a fait, on est vraiment satisfait.
Maintenant, bon ben, Philippe, aujourd'hui, on l'a laissé un petit peu en récupération, donc on l'a fait arrêter au bout de 40 km, parce que demain, il y a une étape de Coupe de France de DN2, donc, sur laquelle il doit participer, donc il a fait un peu de récupération pour demain. Donc voilà un peu le bilan sur ce tour à l'heure actuelle. Donc avec nous, Wilfried Poulet, donc maillot vert, Tour de France Comté, ta réaction s'il te plaît? J'étais un peu déçu, je savais que la première étape j'étais pas trop bien, la deuxième je savais que c'était assez ouvert, puis les points chauds je sais que je suis capable d'aller les gagner et puis d'aller chercher ce maillot vert. Donc la première étape j'ai fait le premier point chaud, puis après il me manquait un peu de jus pour repartir avec les 4 à la fin. Enfin, j'aurais pas tenu toute l'étape en tête, mais ça m'a permis de faire le deuxième point chaud. Et puis aujourd'hui je savais que c'était encore jouable, donc j'ai pris le premier coup, j'ai fait tous les points chauds, ça a payé, puis c'est vraiment une belle satisfaction d'avoir ce maillot vert ici sur le Tour de Franche-Comté. En tout cas, vous présentez bien la Franche-Comté sur ce tour, merci à vous. Merci. Donc avec nous, Benoît Cordier, le directeur sportif de la sélection franc-comtoise. Alors, peux-tu nous dresser un petit bilan sur ces 5 jours de Tour de Franche-Comté? Le bilan il est super positif en fait, parce que on arrive avec des coureurs qui n'avaient pas forcément, pour certains qui avaient déjà de l'expérience, c'est leur niveau, et d'autres on arrivait avec des jeunes qui n'étaient pas du tout leur niveau, ils courent 100-110 bornes par week-end, voire quand ils doublent, ça monte à 240 grand max par week-end, et là on leur demande 800 bornes quasiment sur 4 jours. C'est sûr que la marche elle est énorme, mais ça va, ils ont bien passé, ils ont animé, Wilfried il a fait chercher le maillot. Voilà, Lucas devant aujourd'hui, tout le monde est à la fête, on va dire. Mis à part Jérémy, ouais, j'ai un petit regret, c'est Jérémy français. Voilà, s'il n'avait pas chuté à Saint-Hippolyte à la première, c'est sûr qu'il était. Il était avec les autres devant. C'était mal parti. La première étape, deux dans le peloton, très loin. Donc c'est vrai que c'était un peu. C'est pas la grimace, mais c'était. C'était mal engagé, on va dire, pour une belle perf. Mais là, en fait, ouais, si, c'est une belle perf, en fait, ouais. Une belle perf d'équipe, ouais. Merci, Benoît. Merci. Donc, avec nous, Vincent Bengochea, donc le directeur sportif de l'Armée de Terre. Alors, Vincent, une petite réaction, est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan sur ces 4 jours de compétition? Mais le bilan est globalement positif, puisqu'on a été présent sur toutes les étapes. Au classement général, normalement, notre premier coureur, Johan Barbaz, doit terminer 4e. Donc c'est très bien. Alors c'est sûr que le premier jour j'avais annoncé qu'on essaierait de gagner une étape, on n'a pas réussi à la gagner. Mais bon, le niveau de l'épreuve était très, très élevé, donc globalement je suis satisfait de mes coureurs. Ils ont fait une belle course encore aujourd'hui, ils ont été la seule équipe à attaquer un petit peu le maillot jaune aujourd'hui. Donc je suis très content de mes coureurs. Merci Vincent. Donc Jérôme Gana, directeur sportif pour le CCETUF. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan sur ces 4 jours de compétition? Le bilan est plutôt positif, hein, puisqu'on finit 3e du général avec Adam Yates, un autre coureur britannique, et en plus il remporte le maillot du meilleur jeune. Après une victoire d'étape aussi avec Adam Yates aussi, et puis on a pas mal de places d'honneur avec une 2e place, une 3e et une 4e aujourd'hui avec Thomas Bouteille. Donc c'est plutôt un bilan positif, quoi. On était parti pour faire aussi bien que l'an dernier, mais c'est pratiquement réussi, quoi. Merci Jérôme, à l'année prochaine. Donc avec nous, Mathieu Delarosière, donc coureur pour l'Aix-en-Provence. Donc vainqueur d'étape aujourd'hui, alors quelle est ta réaction? C'était vraiment une très très belle étape, on est parti dès le kilomètre zéro. Des parcours comme je les aime, bien vallonnés, bien fatigants. Donc on a fait une belle journée. J'avais déjà fait ça il y a 3 ans et j'avais terminé que 5e à l'arrivée en passant toute la journée devant. Donc j'avais un peu des regrets, je me souvenais de ça. Donc je tenais vraiment à remporter cette dernière étape. Et là je suis vraiment très 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 heureux de lever les bras ici. Après une très très belle organisation, je me suis régalé pendant 4 jours. Donc j'ai vraiment pris du plaisir et encore plus en gagnant cette dernière étape. Merci Mathieu. Merci. Donc avec nous, Pierre Le Breton, donc, membre de la team Peltrax, et donc vainqueur, meilleur grimpeur de ce Tour de Franche-Comté. Alors, quelle était la réaction? Moi, je suis satisfait d'avoir le meilleur grimpeur, d'avoir gagné aussi. Puis bon, d'un autre côté, aujourd'hui, j'aurais bien voulu gagner. Je suis parti peut-être un petit peu tôt. Bon, derrière, ça a bien roulé. Et après, je suis un peu déçu quand même de ne pas réussir à décrocher une victoire. Ça m'aurait bien fait plaisir. Bon, ce sera pour une prochaine, mais moi, je suis un peu rassuré sur la forme. Ça allait plutôt bien, c'est monté crescendo. Sur le Tour de Franche-Comté, j'ai pas encore la force pour gérer tous les jours, la preuve hier après-midi. Mais bon, je pense que
pense que ça viendra avec les courses. Ouais. Donc avec nous, Julien Guay, donc, le grand vainqueur de ce Tour de Franche-Comté et membre de la team Soja Sun Espoir. Alors une petite réaction, Julien? Bah, ça fait vraiment plaisir de gagner le Tour de Franche-Comté. C'est vrai que c'est ma première victoire de l'année. En plus, c'est le classement général, donc c'est vraiment... Je suis vraiment très content. Je tournais autour depuis le début de saison. Donc voilà, je suis très content de gagner ici. On a fait la différence, notamment hier après-midi, entre Jougne et La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, on t'attendait au tournant, t'as répondu présent. Je pense que c'est une satisfaction supplémentaire oui, pour toi. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression aujourd'hui parce qu'on était égalité en temps et au niveau des places aussi. Donc il fallait absolument que je fasse devant... Xavier Brun, donc voilà, ça, il y avait toute la journée, il y a eu beaucoup de pression, l'équipe a été vraiment au top, elle a roulé toute la journée, donc voilà, je devais pas me louper pour le sprint, donc voilà, c'est bien, j'ai gagné le sprint du peloton, donc je suis vraiment très content. Merci Julien et félicitations encore. Merci beaucoup.